Donc il n'y avait pas un arbre, ça inquiète. Sinon, on ne pouvait pas brûler de la vie. Bonjour. Ah, ça va? Ça va, Charles? Oui, survive another winter. Christian, comment ça? Question. À cette commémoration, à ce moment de recueillement et de souvenir par rapport à ce qui s'est passé il y a 744 ans et ce boucher, cette plaie qui
qui saignait, qui fumait encore il n'y a pas si longtemps. Nous avons eu le bonheur, il y a quelques mois, d'entendre l'église d'Ariège reconnaître que c'était effectivement terrible pour les chrétiens de tuer les chrétiens, que ce n'était pas admissible. Nous avons accueilli ce pardon avec fraternité. Aujourd'hui, plutôt que de faire des longs discours, je vous propose qu'on dise simplement les noms que nous connaissons avec certitude, grâce au travail de Michel Rocquebert, de la cinquantaine de parfaits, qui sont morts ici au milieu des 225 hommes, dont nous connaissons les noms. Et grâce au travail de Michel Rocquebert, dans son dernier livre, Mourir avant de subir, nous avons en plus quelques petits détails. On ne va pas tout lire, mais ces détails nous permettent d'humaniser, de donner un visage, quelque part d'incarner les gens qui, ici, ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas voulu renier leur foi. Tout simplement parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient, qu'ils avaient le sentiment d'avoir raison. Et on peut aussi considérer que les gens qui nous ont guidés passaient avec certitude, dans de bonnes foi, qu'ils avaient raison. Donc pour incarner cette réconciliation, pour incarner ce pardon, pour incarner ce moment de souvenir, on va simplement dire quelques noms avec quelques petites anecdotes qui fait que vous mettrez le visage sur ces femmes et sur ces hommes. Raymond Aguilière, parfait en 1204 à Tarascon sur Ariège. Il avait été ordonné au concile de Pueux en 1226. C'était le fils majeur de l'évêque du Razès, Benoît de Terme. Il lui succéda en 1229. Brésillac, chevalier de Caillavel. Son nom est celui d'une localité située entre Caillavel et Fonjour. Il demande le consolament le 13 mars et fut brûlé le 16. Guillaume Écart, nommé comme étant de Montségur, ce qui pourrait laisser supposer qu'elle y était née. Elle est attestée à partir de 1236 avec son mari Arnaud. Elle avait trois enfants, Pierre, Guiraud, Guillaume. Et qu'on ne les voit pas au castron pendant le siège. On ne sait pas si elle avait un lien de parenté avec le parfait Aniel Écart qui s'est évadé dans la nuit du 15 au 16 mars. Ponce Capel, agent actif de l'église cathare à Gaza avec sa femme Guilmen. Sans doute après la mort de sa femme, il disparaît des documents fin 1242, il se fit parfait et gagna Montségur où son fils Ponce Junior était lui-même sergent de la garnison. Il fut brûlé à Montségur. Ponce Haïs, croyant à Moissac vers 1214, ce fils parfait, et il était le meunier de Montségur. À la fin de 1244, Lombarde de la Blanée lui portait encore son blé à moudre. Il fut brûlé le 16 mars. Guiraud de Caraman, châtelaine de Caraman en Lauragais, femme de Roger de la Tour qui mourut consolée vers 1233. Elle est déjà attestée comme parfaite en 1228 à Toulouse. Elle résida en pays de Sceaux sous la protection des seigneurs de Niort, puis gagna Montségur. Encore vivante le 13 mars 1244, jour où elle donna des brais à Humbert de Sals. Elle fut donc brûlée le 16. Pierre Arrault, ce parfait n'est attesté à Montségur que pendant le siège. Il était vivant au matin du 16 mars. C'est lui qui détenait les 400 sous qui furent remis à Pierre Roger de Mirepoix. Il était certainement de Lavelanet. Il venait vendre des vivres aux gens de Montségur. Arnaud de Cazès, chevalier, seigneur de Cazès, en Lauragais oriental, où il est attesté comme croyant en 1220, 1225, 33 et 37, puis comme parfait vers 1243. Il eut donc gagné Montségur peu de temps avant le début du siège. Un autre co-seigneur de Cazès, Raymond de Roqueville, confirme qu'il fut ordonné. Il se fit hérétique et fut brûlé à Montségur. Bernard d'Auvezine, originaire d'Auvezine près de Mongers, dans le Tarn. Ce parfait est attesté à Montségur, il était encore vivant la nuit du 15 au 16 mars. Il alla donc au bûcher comme les autres. Clamens, on ne sait s'il s'agit d'un patronyme ou d'un prénom, Clément. Ce parfait n'est attesté qu'à Montségur et à Caussou, où il alla avec trois autres parfaits en mai 1243. Il consola Raymond de Vantenac, mortellement blessé, et début mars 1244,
pendant la trêve fut de ceux qui remirent à Pierre Roger de Mirepoix les dépôts de Montségur. Raymonde Barbe, femme de Guillaume Pierre Barbe, elle était la fille de Dame Narica du Mas Sainte-Puel et de son premier mari Robert Lafont. C'est son mari qui déclara le 11 juillet 1245 qu'elle avait été hérétique et qu'elle avait été brûlée à Montségur. Jean de Combel, Ioannis de Combello, peut-être parent du chevalier de Combel de Lorac qui était mort parfait à Montségur en 1219. Parfait lui-même, il avait sa maison à Montségur et remit 400 sous à Pierre Roger de Mirepoix pendant la trêve. Raymond de Belvis, arbalétrier d'Arnaud, seigneur du Son dans la haute vallée de l'Aude. Il fut donné par ce dernier en renfort à Humbert de Salles et gagna Montségur avec lui en juin 1243. Il demanda le consolament le 13 mars 1244, devient cathare 3 jours avant, pour mourir le 16 mars. C'est ça du Congost, ou Sexa, sœur d'Ava et de Bertrand de Congost. Elle était cousine germaine de Gaillard du Congost, neveu de Raymond de Péreil. Au Vendange, 1242, l'éphémère libération du pays lui permit de revenir à la Bastide avec Ava, parfaite également. Mais alors qu'on n'a plus de nouvelles d'Ava, on retrouve Cessa à Montségur, fin février 1244. Elle dut donc être brûlée le 16 mars. Arnaud de Bensa, il venait de Bensa dans les faubourgs de la Vlanée. Ce sergent avait participé à l'expédition d'Avignonnet, il fut blessé, mais il fut consolé dans les derniers jours de 1244. Il a péri sur le bûcher le 16 mars. Raymond de Cuc, tante de Lombarde de Lavelanet, donc sœur et belle-sœur de son père Béranger. Elle doit peut-être son nom à Cuc-Toulza, près de Toulouse. Parfaite à Lorac, dès 1230, elle eut sa maison à Montségur. Le dimanche 13 mars, elle accueille Corba de Péreil qui vient de recevoir le consolament. Elle l'y garde avec ses compagnes jusqu'au jour où elles furent brûlées, c'est-à-dire mercredi dernier. India de Fanjou, de la noblesse de Fanjou. Elle était fille de Faille de Fanjou et de Pierre de Laïe, sœur de Sicard de Durfort et certainement apparentée aux Laïe de Lorac. Elle assistait déjà à Fanjou, au sermon de Guillabert de Castres. Parfaite en 1227, elle tint sa maison à Montségur. Elle était vivante février 1244. Elle est visitée par Arpaïx de Rabat et Lombard de Lavelanet. Elle est brûlée le 16 mars. Guillaume Desjans, fils d'un barbier de Tarabelle en Lauragais. Il était déjà parfait en 1229, puis fut ordonné diacre. Il alla pour son ordination à Montségur, où il fut brûlé avec tous les autres. Guillaume Garnier, ancien bouvier dans un mas près de Lantan, en Lauragais. Protecteur des sœurs Lamotte, il dut gagner Montségur à l'été 1243. C'est dans sa cabane que le chevalier Bertrand de Bardenac, mortellement blessé en février 1244, fut transporté pour recevoir le consolament. Il demanda lui-même le consolament le 13 mars, 3 jours avant, et mourut le 16 mars sur le bûcher. Guillaume Delpech de Fanjou, sans doute sergent, il assiste au sermon de Bertrand Marty et de Raymond Aguilaire. Il demande le consolament le 13 mars et fut brûlé le 16. Arnaud Raymond Gott, chevalier de Sorez au pied de la Montagne Noire, croyant en 1237, il recevait chez lui le médecin parfait Guillaume Bernard d'Eyroux. Par la suite, il se fit hérétique et fut brûlé à Montségur. Arnaud Domergue de la Rogue d'Olm, ce croyant fréquenta assidûment Montségur à partir de 1236 avec sa femme Bruna. Il était sergent dans la garnison en 1241 à l'époque du siège mené par les officiers du comte de Toulouse. Les deux époux, qui assistaient fréquemment au sermon des évêques, demandèrent le consolament le 13 mars 1244 et furent brûlés le 16. Bernard Guillaume de la Bastide sur l'Erse, peut-être parent avec le sergent Raymond Guillaume de la Bastide, présent à Montségur avec son fils Pierre Bernard pendant le siège. Vivant dans la nuit du 15 au 16, il est brûlé le 16. Guillaume d'Enmarty,
sans doute de Montferrier, où d'autres reines Marty sont attestées. Elle était parfaite et boulangère à Montségur. Présente, jusqu'à ce que les hérétiques sortent de Montségur, elle dut être brûlée le 16 mars. Anno buie vende l'aura, Carlo buie vende l'aura, quanto chi l'ha riato, a e io, quanto sulla Fendo al vento, tutto desconsolato, e io, tutto desconsolato.
Oh, my soul, my soul.